Waouh! Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur N'en serait pas. En dessous, ça veut dire tous abonnés. Si vous n'êtes pas abonné, veuillez cliquer là-dessus. Abonnez-vous et activez la cloche, ne pas manquer tout simplement nos prochaines vidéos. Et si vous voulez faire les dons pour nous soutenir, c'est simple. En dessous, ça veut dire toutes les informations qu'il vous faut pour faire les dons pour nous soutenir. Et que Dieu bénisse frères et sœurs. Ici, nous devons prêter attention sur ce qui se passe en ce moment. Les gens sont en train de nous raconter des mensonges même à la télévision en ce moment. Qu'est-ce que vous savez sur la sirène, mes frères et sœurs? Qu'est-ce que vous savez sur les sirènes? Ah! Mes frères et sœurs, ce n'est pas de la blague, ce n'est pas de la frime. Nous allons vous dire aujourd'hui la vérité sur les sirènes et nous allons vous confirmer que tout ce qu'on vous a dit sur l'identité des sirènes est faux. Hein? Comment ça c'est faux? Mais qu'est-ce qu'on vous a raconté à la télévision sur les sirènes? Qu'est-ce qu'on vous a présenté? On vous a présenté des sirènes comme de belles personnes, comme de bonnes personnes, des personnes qui peuvent aimer, des personnes qui peuvent faire du bien. Et on vous a même dit que vous pouvez les ressembler et que vous pouvez faire comme elles. Et on vous a présenté ces sirènes-là comme des femmes avec des queues de poisson. Et ce qui est étrange, c'est que ces femmes pouvaient se transformer aussi en des femmes ordinaires par magie ou encore par pouvoir mystique, par la sorcellerie. Parce que là, il faut lancer un sort, il faut qu'un sort soit balancé. C'est exactement ce qu'on vous a présenté, n'est-ce pas? Mais bien sûr que oui. Mes frères et sœurs, faites vraiment attention. Mes frères et sœurs, faites vraiment attention. Nous sommes dans un monde corrompu. Et le diable veut tout mettre en œuvre pour que les gens parlent bien de lui. Oui, il veut tout mettre en œuvre pour que les gens passent leur temps à parler très bien de lui. Et également de ses démons. Ses démons. Ces démons existent. Et les sirènes, elles sont tout sauf ce que l'on vous présente parfois à la télévision. Les sirènes sont des démons. Mes frères et sœurs, faites attention. Vous-même, posez-vous des bonnes questions, les vraies questions. Dites-nous, depuis quand Dieu a-t-il créé une femme pour la mettre dans l'eau? Ah! Et pourquoi l'on va venir vous montrer de ces dessins animés qui parlent des sirènes ou encore où on voit des sirènes? C'est à ce moment où nous devons nous réveiller et comprendre que effectivement dans ce monde, il y a quelque chose de grave qui est en train de se passer sur notre dos. Les gens sont en train de faire de l'occultisme, encore du satanisme sur notre dos, sous devant nous-mêmes. Mais on ne s'y rend pas compte. On n'y prend pas garde. Mes frères et sœurs, nous devons comprendre aujourd'hui que nous ne sommes pas seuls sur la terre. Il y a également des démons, des entités démoniaques qui sont en train de travailler comme ça pour nous plonger dans les problèmes, dans les soucis et pour nous amener à être positionnés contre notre Dieu, pour nous révolter même contre notre Dieu, même au travers de notre comportement. C'est à ce moment les enfants seront endoctrinés. Ils vont dire aux enfants, oh les enfants, les sirènes sont de bonnes personnes, sont de bonnes créatures. Il faut les aimer, il faut les apprécier. Et les enfants, comme ils sont doux, comme ils sont mous, n'ont pas assez de connaissances, assez de bagages spirituels pour leur permettre de se défendre, ils vont avaler cela matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Et quand l'enfant va grandir, quand la fille va grandir, elle va dire qu'il est temps, elle a ses 18 ans, ou elle a ses 21 ans. Il est temps qu'elle fasse quelque chose qu'elle a envie de faire depuis très longtemps. Et la chose qu'elle a envie de faire, c'est de se tatouer une sirène sur son corps. Ou bien sur son pied. C'est en ce moment-là, elle va aller se faire tatouer une sirène. Carrément. Elle va se faire tatouer une sirène carrément sur son pied. Ah! Depuis quand Dieu a demandé à quelqu'un de se tatouer, de se faire tatouer, regardez la vidéo analyse précédente, seulement vous allez voir ce qui s'est passé hier. Ce qu'on a vu même hier, Seigneur, sur bon, le sud de la vidéo analyse 53, seul Dieu le sait. Mais les gens sont en train de dépasser les limites
Parce que poussés par des démons, et parfois les gens pensent que ce sont eux-mêmes qui agissent. Or, c'est le diable lui-même qui est en train d'agir en eux. Et les démons travaillent. Et les démons sont en train de travailler. Ce cas de sirène-là est en train de s'étendre. Les femmes sont en train de s'habiller de façon sexy. Or, être habillé de façon sexy signifie également qu'on a accepté la sirène comme la maîtresse de sa vie. C'est-à-dire que tu as accepté la sirène comme celle-là qui va te dominer, qui va dominer ta vie et qui va faire de toi son enfant. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? À partir d'aujourd'hui, toi, tu ne dois plus aimer les sirènes. À partir d'aujourd'hui, toi, tu ne dois plus t'habiller de façon à séduire les gens. Cette manette s'habille de façon sexy. Tes rouges à lèvres sont roses. Faut dire Dieu merci. Mais si tes lèvres sont roses, c'est Dieu merci. Mais si tes lèvres sont noires et que je n'aime pas ça, tu vas le mettre de tout pareil sur tes lèvres pour que ça devienne plus rose que rose. Ou bien des rouges à lèvres, comme on peut le dire. Mes frères et sœurs, sachez que vous êtes en train de pécher. Et le péché qu'elle a là va vous conduire dans un endroit où vous n'avez pas envie d'aller. Il y a de ces produits de beauté, on parle des maquillages, toutes ces histoires-là, ça vient de ces sirènes. Donc depuis le départ, le diable et ses démons, ils étaient en train de préparer les gens à accepter toutes ces histoires-là. Oui, je vous parle de quelque chose. Ça commence par la chose la plus simple. Et après, là, ça s'intensifie. Ça devient autre chose. Ça devient des choses plus graves que graves. Plus compliquées que compliquées. Et si on ne vous a pas révélé ces choses aujourd'hui pour vous dire la vérité sur toutes ces histoires, vous tomberez dans le piège du diable facilement. Les sirènes. Pas plus tard qu'hier, il y a un homme ex-sataniste qui va même parler encore dans le témoin puissant prochain. Ou encore dans l'un des témoins puissants prochains parce que nous venons de recevoir un nouveau témoignage que nous allons traiter et après nous allons poursuivre ce qu'on a commencé hier. Cet homme a tout simplement révélé que lui-même, il a eu à rencontrer une sirène à 1h du matin. Oui, il dit à 1h du matin au bord d'un fleuve. Et cette sirène là-bas, elle était tout simplement sortie de l'eau, effectivement. Ça veut dire que celle qu'on vous présente dans les films ou encore dans les dessins animés, elle est réelle. Et elle agit même dans ce monde. Si tu veux la rencontrer, c'est facile. Mais une fois qu'elle est rentrée dans ta vie, si tu veux t'en débarrasser, c'est là la guerre va commencer parce que c'est parce que c'est un démon et un démon ne veut pas quitter facilement sa proie parce que vous devenez ici une proie pour elle. Mes frères et sœurs, nous allons vous le dire. Cet homme, il dit qu'il a rencontré cette sirène et il est même allé dans le monde de la sirène. Et arrivé là-bas, il s'est marié avec cette femme-là. Comme toutes les femmes, c'était une femme qui était aussi jalouse. Et elle ne voulait pas, elle ne permettait pas à ce monsieur de faire tout ce qu'il avait envie de faire. Et pour montrer même sa colère envers lui, parce qu'à un moment donné, lui, il avait rencontré une fille de notre monde. Et sur la terre ici, on peut dire qu'il a juste vu ainsi comme ça, et c'est même pas ce qu'il voulait faire avec elle, mais ce qui est sûr, c'est que la sirène, elle a observé cette situation et s'est dit qu'elle devait agir. Et c'est comme quand il est retourné chez lui, il nous a dit que quand il est arrivé chez lui à la maison, après avoir laissé cette fille-là au deuil, c'est-à-dire aux funérailles, parce qu'il y avait des funérailles dans leur quartier, lui, il a retrouvé la même fille chez lui à la maison, assise carrément dans sa chambre. Et il s'étonnait de savoir, mais qu'est-ce que cette fille-là est en train de faire ici dans ma chambre? Ce qui ne sait pas, c'est qu'il a marié une sirène et que depuis le mois de ténèbres, maintenant, il est contrôlé par cette sirène-là, qui est un démon. Et cette fille-là était là dans sa chambre. Il a cru que c'était cette fille. Donc, il s'est tout de suite alarmé. Et il a dit à cette fille de partir. Parce que lui, spirituellement parlant, il est marié à un esprit. Et cet esprit-là est très jaloux. Ou encore, cette femme-là est très jalouse. Elle ne permet pas à une autre femme de venir carrément auprès de son homme. C'est celui-là même qu'elle a épousé. Donc, qu'elle sorte rapidement de la chambre pour éviter les histoires. C'est exactement ce qu'il lui disait. Mais quand il s'est retourné, il a dit qu'il a entendu des pleurs. Il a entendu la fille pleurer. Et pendant que la fille pleurait, il pouvait en même temps entendre dans ses pleurs la voix de la sirène qui l'a mariée.
Et elle lui a dit, mais chérie, tu ne me reconnais plus. Mais c'est moi. C'est moi ta femme. What? Quoi? Les gens arrivent même à se marier à des démons. Au point où ces démons les appellent même chérie. Chérie. J'ai du mal même à y croire. Et quand ça s'est passé ici, le jour qu'on suivit, cette sirène-là, elle avait tué sa copine qu'il venait de voir. Là. Elle l'avait tué. Tuer quelqu'un, est-ce que c'est une bonne affaire? Est-ce que c'est une bonne chose? Si tu aimes les sirènes aujourd'hui, il faut savoir que tu es en train de pamper aussi à ces crimes. Parce que c'est un démon qui tue les gens. Et voici une soeur, un jour, elle a passé également son temps à se tatouer les sirènes et à les aimer. Elle avait le tatouage d'une sirène, carrément sur son pied. C'est-à-dire quand tu regardes son pied là, à un moment donné, tu vas t'apercevoir qu'il y a une sirène qui a été dessinée là. Et elle aimait beaucoup cette sirène là. Elle aimait beaucoup les sirènes parce qu'elle se disait que les sirènes sont belles et elle aimerait être comme elle. Plus belle et attirante comme elle. Parce que c'est ce qu'on lui a appris dans son enfance. Et quand elle disait ça, elle-même, elle s'est tatouée. Ce qui s'est passé, c'est que depuis qu'elle s'est fait tatouer là, elle a senti que, effectivement, en elle, elle a reçu un autre esprit. Et c'est l'esprit de la sirène. Et cet esprit-là la pousse sans cesse à s'habiller de façon sexy. Cet esprit-là veut qu'elle s'habille de façon sexy tout le temps. Tout le temps, elle doit s'habiller de façon sexy. Et rester avec un seul homme, ce n'est plus possible. Parce que cet esprit-là ne permet pas qu'elle soit avec un seul homme. En ce moment, elle va passer son temps à changer de copain, à changer de gars. Chaque mois, son gars. Chaque mois, son gars. Voici comment la vie de cette femme va commencer à se détériorer, à se détruire. Et c'est exactement ce que la sirène fait. Et c'est exactement ce que le diable est en train de prêcher même aux gens aujourd'hui. On va se rendre compte là. Elle s'est retrouvée à l'église. Et dès qu'elle est arrivée à l'église, elle est tombée sur un homme de Dieu qui priait. Et c'est là, l'esprit de la sirène qui est en elle depuis très longtemps a commencé à se manifester. Et cet esprit-là a commencé à parler pour dire que c'est ma fille. C'est moi qui domine sa vie. C'est-à-dire sur le trône de sa vie. Là. C'est-à-dire chaque personne sur la terre, là, dans la vie de chaque personne, il y a un trône. C'est-à-dire il y a un trône où un roi peut s'asseoir. Soit c'est le roi Jésus ou c'est le roi Satan. C'est comme ça se passe. Et elle sur le trône de sa vie, c'était ce démon-là qui était assise là-bas comme ça. Et c'était Satan. Et le gars, il dit, ne fais pas partir. Cette sirène a dit, non, elle, c'est ma fille. Elle appartient à mon royaume. Elle regarde comme elle est habillée. Regarde, elle s'est même tatouée mon effigie. Elle s'est tatouée une sirène sur elle. Donc, il ne faut même pas te fatiguer. Homme de Dieu, ne te fatigue pas. Celle-là m'appartient déjà. Et c'est exactement ce que la sirène est en train de dire. Et c'est exactement ce qu'elle est en train de faire. Et tous ceux qui étaient là même, ils étaient tellement étonnés, même ces soeurs avec qui elle était venue, elle filmait la scène pour ne même pas qu'après cette fille-là même dise qu'elle n'a jamais dit ça. Elle a bien filmé et la délivrance a commencé. Ah, comme vous voyez la manière, elle était habillée, elle était même plus sexy que sexy. Après ça, la délivrance s'est opérée. Depuis que la délivrance a eu lieu là, et qu'elle-même elle a vu la vidéo, comment on l'a filmé en train de dire, oh c'est moi, je suis une sirène, je suis la reine des sirènes. Quand elle est quittée dans ça là, elle-même volontairement, c'est-à-dire dans son corps, elle ne ressentait plus le besoin de s'habiller mal, de s'habiller de façon anormale. Ah, sa jupe qui était très courte là, elle est devenue longue. Waouh! Mais comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe? C'est la question que tu as te poser. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que ta manière de t'habiller de façon sexy, là, ça vient des démons. Et ce démon-là a un nom. C'est une sirène. Les rouges à lèvres, les make-up, toutes ces histoires.
Mais les sirènes même ont ça. Les vernis à ongles. Nous allons vous dire aussi, nous allons vous dire encore. Il y a un homme. Lui aussi, il devait se marier avec une sirène pour augmenter son pouvoir. Parce que c'est un homme mystique. Et ce jeu, il cherche sans cesse à augmenter leur pouvoir. Et quand cet homme était prêt à se marier avec la sirène, ce jour-là, sa maman a fait une offrande à un homme de Dieu, c'est-à-dire à l'église, à Dieu. Elle a fait une offrande à Dieu pour que Dieu puisse tout simplement faire quelque chose pour elle. Ah! Et ce jour-là, Dieu lui a dit, ton fils va venir. C'est ce que Dieu a passé par les pasteurs pour lui dire, ton fils va venir à la maison, ne le laisse pas sortir cette nuit-là. Parce que s'il sort de la maison, il ne va plus t'appartenir, il va appartenir à un autre monde. Et c'est à ce moment-là, cette femme a acheté du gros cadenas et fermé la porte quand son fils est entré. Et lui, il était dans la maison, en train de crier, ah maman, laisse-moi sortir, il y a un rendez-vous très important aujourd'hui. Après lui, son rendez-vous-là, c'était qu'il allait aller se marier, spirituellement parlant, à une sirène. Ah! Et quand il est resté là, dans cette maison enfermée, il a manqué de se marier à la sirène. Et la sirène, un jour, le jour qui a suivi, est venue le voir. Et il lui a dit, mais pourquoi ta maman nous a combattu comme ça? À cause d'elle, le mariage n'a pas eu lieu. Et quand il était venu ici même pour te chercher, il y a une guerre où elle s'est mise à chanter, elle a commencé à louer Dieu. Elle a commencé à louer son Dieu. Et ça a affaibli mes forces. C'est-à-dire dans la louange, il y a une puissance. Et cette puissance-là a affaibli la force de la sirène en question. Ce démon-là. Et c'est à ce moment-là, lui, il va essayer de consoler cette sirène-là lorsqu'elle va entrer dans sa douche. Quand cette sirène va entrer dans sa douche, il va maintenant voir des parfums, des rouges à lèvres, des vernis à ongles dans son sac. Maintenant, il va dire, mais ah, comment se fait-il que tu as des parfums, tu as tout ça sur toi? Il dit, je les ai parce que... Elle dit, je les ai parce que les parfums m'aident à respirer sur la terre ici. Et les rouges à lèvres, tout ça, ça aide à maximiser ma beauté. Et c'est nous qui les avons créés pour les offrir aux humains. Afin qu'eux aussi soient toujours belles comme nous. Ce faisant, ils sont tous en train de nous adorer ou encore recevoir notre esprit. Parce que toutes ces choses viennent de notre monde. Hein? Quelle révélation! Ces révélations sont troublantes. Tu vas dire que, oh, ce sont des blagues. Si qu'elles suivent, les gens qui ont parlé de salaire, tu marches au Seigneur sur bonne. Tu peux les écouter encore, tu vas dire que, oh, ce sont des gens qui cherchent juste à nous faire peur. C'est possible. Mais ce qui est sûr, quand on parle des démons ou du diable, nous sommes tous d'accord pour dire que ce n'est plus caché. Le diable existe, il est réel. Et ses œufs sont là. Ses œufs sont là. Ses œufs sont ici. Nous allons vous dire, mes frères et sœurs, ne perdons plus de temps. Revenons rapidement au Seigneur Jésus-Christ qui va nous aider et abandonnons nos mauvaises voies. Dieu lui-même, il est là comme ça, il est saint, il est bon, il est amour, il est gentil. Il veut nous accueillir chez lui, même dans son royaume. Pour aller au paradis, ce n'est pas compliqué. Peut-être que ça sera compliqué pour vous que lorsque vous allez aimer toutes ces choses de ce monde, ça sera difficile pour toi de te débarrasser facilement de tes vêtements sexy que tu utilises même comme instrument pour pouvoir séduire les gens. Ma soeur, nous allons te dire qu'aujourd'hui tu peux le faire. Tu peux abandonner tes mauvaises voies et Dieu lui-même peut t'aider. Parce que si tu es dans cette voie-là où on parle des sirènes, même si on t'a présenté des sirènes depuis ta naissance, depuis que tu es enfant, on t'a dit que ce sont de bonnes personnes. Ma soeur, mon frère, nous allons te dire, les sirènes, c'est leur identité que nous venons de te révéler aujourd'hui sur Nascopole. Ce sont des démons qui ne veulent pas ton bien, qui ne veulent du bien à aucune personne ici sur la terre. Et ces démons-là sont en guerre contre quoi? L'humanité, même contre les humains qui sont avec eux ou encore avec elles. Bon, ce sont des démons, je n'ai pas dit. Mais parce qu'un démon, vraiment, c'est ça. Faites attention, mes frères et sœurs, nous allons vous dire, faites vraiment attention. Faites vraiment attention, nous sommes dans un monde assez compliqué. Même la parole de Dieu même est claire à ce niveau-là. Vous êtes dans ce monde, mais vous n'appartenez pas au monde. Vous êtes dans ce monde,
Mais vous n'appartenez pas au monde. N'est-ce pas ce qu'on nous dit la plupart du temps? J'espère qu'aujourd'hui, cette vidéo vous a aidé. Si ça vous a aidé, que vous n'êtes pas abonné, cliquez sur abonner maintenant. Cliquez sur Cocla TV. Et ne manquez pas la prochaine vidéo. Ça va être chaud. Sur Nyon Support. Là. Pour nous soutenir, si vous n'êtes pas cliqué sur j'aime, cliquez sur j'aime. On vous l'a dit. Mais pour nous soutenir, vous pouvez cliquer sur Nyon Support. Vous allez sur pas que vous allez voir. Nyon Support 2. Nyon Support 3. Abonnez-vous également sur notre autres chaînes. Là. Et soyez prêts parce que la prochaine vidéo va être plus chaude que chaude. Vidéo bien sûr. C'est parti.